tous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Mindplex, sur un serveur, puisque nous avons terminé Deadly Dreams. Donc, j'ai pas prévu de map encore pour remplacer Deadly Dreams. Du coup, on va se faire un petit coup sur un serveur. Ça va être cool. Et on va faire du Master Builders. Je pense que vous connaissez, on en a déjà fait sur la chaîne. On doit construire des trucs. Et des trucs plutôt... comment dire, plutôt semblable aux mots qu'on va nous donner pour essayer de faire vibrer les gens qui vont voter pour notre construction et nous faire gagner un camion. C'est parti, un camion. On va prendre quoi pour un camion? On va prendre de la... on va prendre de la clay. On va prendre de la clay rouge. On va prendre de la clay... non, on va prendre de la laine noire. Ouais. On va prendre du... De la stone. Genre de la vraie stone, non? Ouais, voilà, ça. Et on va commencer, parce que sinon on va être dans la merde. Faut le faire assez vite, le camion, sinon c'est le bordel. Alors, si on fait une espèce de truc comme ça... ouais, là, ça ressemble vachement à un camion, ça. Alors, attendez. On va faire la forme globale. Voilà, déjà il y a une minute qui est passée juste pour choisir nos blocs. C'est un peu le caca. C'est un peu le caca. Si on va prendre du vert aussi parce que si je fais pas le pare-brise maintenant, je vais jamais m'y retrouver. Ça va être un problème. Le pare-brise, on va le faire comme ça. Tu vois que ça va ressembler à un bus, mon truc, moi. Je le sens venir comme ça. Ça ressemble pas du tout à un camion là. Ah, il est là le problème. Il est là le problème. On va faire ça comme ça. C'est un peu comme ça le haut d'un camion. Hein. Faut dire les choses. Quand ça s'appelle ça un déflecteur, un truc comme ça, là où l'air est propulsé. Enfin, propulsé. Ça fait une conduite d'air qui va vers le haut. Ouais. C'est pas ouf ce que j'ai fait. On va le faire comme ça. Tac. Bon, bref. On s'en fout de l'habitacle. On verra ça plus tard. Là, il reste 3 minutes. On est dans le caca. Alors. Là, on est bien. On va faire ça comme ça. On va lui rajouter un petit étage là. Enfin, une petite... voilà, vous m'avez compris, hein. Ensuite, la semi... Tout bon camion a une semi-remorque qui se respecte. Enfin, tout camion qui se respecte, tout bon camion qui se respecte a une semi... oh, puis vous m'avez compris de toute façon. On va faire ça comme ça. On va essayer de le faire assez long, par exemple. Ouais, ça me paraît bien comme ça. Et on va essayer de ramener un maximum de lignes avec nous, parce que là, on est un peu dans le caca. Là, il y a la moitié du temps qui est passé. On est très loin d'avoir fini. Genre très 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 loin d'avoir fini, même. Hein. Dire les choses, là, on est dans le caca. Oh putain, ouais, 2 minutes. C'est la merde. Il faut une technique pour aller vite. On va faire un truc comme ça. Je sais pas si ça va vraiment vite, mais bon. Pas de misclic, pas de misclic, pas de misclic. Le mec a perdu misclic. Ok. Putain, va y avoir le plafond à faire aussi, le toit. Toi, mon tout, mon roi. Le toit du camion, ouais. Faut pas oublier le toit du camion, ni les portes à l'arrière. Notre camion n'a pas de roue actuellement. C'est la misère, là. Là, c'est la misère. Pourquoi rouge? Eh ben, pourquoi pas, hein. J'ai envie de vous dire. Non, vraiment, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, parce qu'en fait, hein, ça peut être rouge, ça peut être de beaucoup de couleurs. Alors, en France, il y en a beaucoup qui ont des semis rouges. Il y a une marque de camion qui s'appelle... comment elle s'appelle? Je sais plus. Les portes à l'arrière, on va les faire en blanc, parce qu'on... ah, dégage l'announcement! Tu m'as fait peur, espèce d'announcement. Le truc ne touche pas le sol, c'est un problème, hein? C'est un problème. Qu'on se le dise. On se le dit, c'est un sérieux problème. On s'en fout. Allez, vite.
Ok, bon, Balek, on va peut-être lui faire des roues quand même. Ça peut être cool. On va lui mettre un passage de roues ici. Et j'aurais bien aimé faire un truc un peu comme ça en fait. Ouais, bon, ça va être la misère, ça va être la misère. Oh là là, oh là là, le mec galère, le mec galère, le mec galère. On les a fait où les roues ici? On les a fait là. Ah bon, bah il aura pas de roue à l'arrière, tant pis. Tant pis. Ah! Bon, il a perdu une roue. Il a perdu une roue, mais il y avait l'idée. Il y avait l'idée. Alors ça, pour moi, c'est un tracteur. Hein. Je veux pas, voilà, je veux pas être méchant, mais c'est un tracteur. Je vais mettre mais parce que c'est un tracteur. Clairement, voilà. À un moment, faut être à cheval sur le vocabulaire et Jungle Gamer a fait un tracteur, c'est tout. Voilà. Ah ça, c'est un camion. C'est un camion. Un peu simpliste, mais c'est un joli camion. Je lui mettrai It's OK, moi, parce que It's OK, quoi. Avec la fumée, bon, c'est un vieux camion, hein. Un truc qui fume comme ça, moi, je le vois sur la route. Ouais, je prends peur un peu. Je prends un peu peur. C'est un camion. Ouh, le nôtre, qui a perdu une roue. Oh, alors, il va exploser, le nôtre. Il est dégueulasse, un peu, notre camion. Il est un peu dégueulasse. C'est sûr que c'est pas la meilleure construction que j'ai fait. Ça, c'est sûr. Ah, il a pas explosé. Putain, on a eu de la chance. Malgré qu'il ait perdu une roue. Et qu'il ait pas du tout les roues au bon endroit, au final, mais bon. Il a pas explosé. C'est un bus, ça, mec. Qu'est-ce qu'il a marqué? Ah, d'accord, un minivan truck. Ouais, d'accord. Si tu veux. Ah, j'aurais dû mettre de la fumée derrière. On va avoir une sale note, je crois. SMD, je sais même pas ce que ça veut dire. Voilà, mec, t'aurais dû construire un truc, c'est inappropriate, ça. C'est inappropriate. Rouge et blanc, même, tu vois. Ah, il a pas explosé quand même. Ah non, pourquoi t'as choisi ces blocs-là, toi? T'es un fou un peu dans ta tête. Mais, je te mets mais. J'ai pas mis de My Eyes Are Bleeding. Mais faut avouer que c'est pas bien beau quand même. Hein. Ah bah oui, franchement, zombie flop. Bon, heureusement que t'as flop dans ton nom, on comprend mieux. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Hop, moi je prends place. Bon, je lui mets My Eyes Are Bleeding parce qu'il n'y a pas de camion en bois et c'est un bus, mais dans l'idée, voilà. Ah, il n'a pas explosé. Il n'a pas explosé, bon, c'est cool. Oh, un mini camion tout mignon. Je vais mettre mais bon. Putain, je me suis donné du mal, moi. Vous faites des tout petits trucs comme ça. Ah bah oui. Franchement. Le mien a pas explosé, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Et nous sommes troisième. Nous sommes troisième, c'est plutôt cool. C'est le minivan truck qui a gagné. Pourquoi pas? Moi j'ai pas accroché, mais pourquoi pas. Nous sommes troisième, ça commence bien. Pourtant on l'avait pas fini notre camion, clairement. On avait fait un truc à peu près réaliste, du coup. C'est passé auprès des yeux des gens, c'est plutôt cool. Et on va attendre une prochaine partie. 9 personnes sur 12, c'est très bien, la partie va se lancer, ça fait plaisir. J'ai envie de sortir mon cheval, ça fait un mot. Non! J'ai cliqué trop vite! Faut rejoindre la partie vite. Où est là-bas? Ouais, cheval! Ouais! Master Builder. Ils étaient 9, donc ils doivent être 8 ou 9 maintenant. Peut-être quelqu'un qui a rejoint. Qu'on reprenne la même game. Bon. Je sais pas laquelle c'est. Ah, on va dire ça. Ouais, on est dans le même lobby. Nickel, c'est ça, hein. Zombie flop et tout, nickel. Ouais, je voulais prendre mon cheval, je me suis trompé. J'étais en train de dire, ça fait longtemps que je suis pas allé sur. Sur Mineplex. On comp. Pourquoi? Mon cheval? D'accord, bon, tant pis. Il n'y aura pas de cheval pour moi aujourd'hui. Hey, super transition. Bienvenue dans le Desert Temple, créé par Giovanni, Knight et Luke, qui ont des noms vraiment bizarres. Un dinosaure. Alors, il va nous falloir du verre, beaucoup de verre. On va prendre du verre comme ça, du. C'est le même. Du verre comme ça, du verre comme ça, que j'aime bien. On va prendre un item frame, hop, avec
Magma Cube. Et on va commencer à construire un truc avec ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, je ne sais pas par quoi je vais commencer. Peut-être par la queue. Hop, comme ça. Ouais, je vais plus le. Hop. On part sur un diplodocus. Hein, diplodocus des familles. Bon, il a le dos un peu droit, mais bon, on va pas chipoter non plus. Il va falloir se grouiller par contre. Alors, un diplodocus, c'est assez épais quand même, donc on va essayer d'en faire un. Bah, assez épais quoi, vu que je vous dise de plus. C'est gros un diplodocus. Un gros dinosaure, donc voilà. Là, on est toujours dans le même délire, ouais. Hop, voilà. Tac. Tac. Ici, on va faire la même chose que de l'autre côté. Allez, vas-y. Pose tes blocs. S'il te plaît. Réponds un peu. Ouais. On a connu plus épais comme. Comme diplodocus. Comme diplo. Diplo, je suis un diplodocus. Non, ouais, sérieux, c'est gros un diplodocus quand même. Tac, bon, on va lui faire des papates. Quand même assez mastoc, hein. Sauf que là, elles sont un peu trop près de l'arrière. Hop, hop. Voilà. Ça me paraît bien. Ensuite, on va refaire la même chose ici. Le carré et on revient en avant. On double sur l'intérieur. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour le dessous de ce petit dino? Pas de truc qui me plaise là. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Peut-être ça. Regardez, on va faire un espèce de. Lui faire un petit bedon. Tout mignon. Le petit bedon du dinosaure. Merde, je suis en train de penser qu'il a pas de tête. On est à 2 minutes de la fin. Attendez. On va peut-être se grouiller de lui faire une tête. Juste, on va améliorer cette partie-là. Voilà. On va faire un truc comme ça. Ici, on va lui faire descendre ses papattes. Grosse papatte de dino, hein. Voilà, c'est un dino, c'est mastoc, c'est mastoc. Un dinosaure, c'est pas le truc que tu ranges dans ton garage, voilà, c'est pas un camion justement, c'est au-dessus. Tac. Donc ici, on va lui faire partir son cou, tout simplement, son cou de dinosaure, qui est un peu chelou, il faut l'admettre. Ici et ici faire une espèce de truc comme ça. On va voir, on va corriger ça de toute façon. Est vraiment chelou mon dinosaure, hein. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. On a le dino le plus chelou qui existe. J'ai mis envie de lui faire la tête comme ça. Ah, il a une sale gueule, hein. Ouh, il a une sale gueule. Tain, il s'est. Il a eu un problème ce matin, lui. Il s'est réveillé du mauvais pied, comme on dit. Pied gauche. Genre gauche-gauche, quoi. D'ailleurs, on va foutre de la pelouse par terre. Hop, change ground, tac. C'est très vert. C'est très très vert, on va mettre de la terre plutôt. Ça fait plus. Plus à l'ancienne, quoi, tu vois. J'ai le temps de changer un bloc encore. Allez, un dernier. Voilà. Bon. C'est un dinosaure, voilà, qui a très 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 mal vieilli. Alors ça, c'est un. Ouais. C'est un What the fuck Horus Rex, en fait. On sait pas trop ce que c'est.
Il marche sur la lave, c'est le Jésus des dinosaures, quoi, un peu. Tu vois, c'est le Messie. Il était envoyé sur Terre pour faire chier. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est marqué quoi? Mind sucks. Ok, bah si tu le dis, je vais mettre ça sans mal le vivre en fait. Ah, c'était dégueulasse la météo à l'époque des dinosaures. Hein, c'est. Oula! Ah, ça c'est le nôtre. Virez-moi la pluie, il pleut pas pour le mien. Voilà! Wow! Moi c'est le diplodocruche, moi, tu vois. Putain, il a un creux là, j'ai oublié de lui vider le. Oh putain, j'oublie toujours un morceau. Je suis pas réveillé aujourd'hui, moi, c'est pas possible ça. Hein. Oh! Ce son est réel, il est très réel, du coup je te mets It's OK. Même si t'as pas un, ça ressemble pas vraiment à un dinosaure, mais it's ok. Il avait écrit quoi là? Ah, d'accord, nourris. Ouais, d'accord. Ok, nourris-moi, nourris-moi. Ouh, Swaggance. Swaggance. Dommage qu'il n'ait pas le haut du crâne. Tu l'as pas fini, c'est dommage. Mais si je veux gagner, il va falloir que je mette mes. Ah, il est méchant le monsieur. Non, c'est vrai, il lui manque le haut du crâne. Mais t'es sérieux? Non, ouais, quand même, les mecs, vous avez abusé là. Je veux bien que ce soit zombie flotte. Ah bah il arrache qu'il zombie flop et non pas flotte. Alors ça on dirait un chat. Ah il est cool, moi j'aime bien, il est plutôt cool. Enfin il est. Ouais. Il est bizarre quand même. J'aurais dû lui faire des dents bien. Ouais, tu me diras non, c'est un herbivore, faut pas lui faire des dents trop marquées. Alors ça pour moi c'est une girafe, hein, les mecs. Faut pas. Voilà. Je mets Itsoké parce qu'il y a la déco qui rend très bien. Mais c'est une putain de girafe ça. Bon, une girafe orange, il n'y en a pas des masses non plus, je vous l'accorde. Mais la déco est là. La déco est là. La déco est là. Et le vainqueur, c'est moi. Oh. Oh. Merci. Merci beaucoup. Bon, bah, une petite victoire dans cette vidéo, ça fait plaisir. On va s'en faire un dernier. First place, 20 gemmes, nania. Putain, ça nous en fait beaucoup ça, 58, nania, 97, d'accord, ok. C'est génial, moi j'aime bien. Oh oui, j'aime bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce cadeau, waiting for players. Il n'y a plus de players dans le lobby. C'est bien dommage. Allez, connectez-vous, j'en veux en faire une petite dernière, moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tout petit peu. On va aller juste voir une. Allez, on va aller dans le lobby. On va trouver une autre partie un peu plus peuplée. Un peu plus peuplée. C'est quand même compliqué à dire ça. Un peu plus peuplée. C'est des mots qui ont été inventés par qui ça? Des phrases qui ont été inventées par des fous. C'est pas possible! On va être dedans! Alors. 1, 47 secondes. Recruiting. 43 secondes. Bon, allez là. Full! Bon, on va y aller, ça, il y aura fin du recrutement. Waiting for. Oh les mecs, je suis là. Voilà, on va démarrer, on va s'en faire une dernière. Ça fait du bien un peu de construction comme ça. Enfin, de construction. Construction facile, mais. Mais moi, ça me plaît. C'est longtemps que je n'en avais pas fait. Et j'aime bien. J'aime bien quand je gagne, surtout. Bon, là, on va être 12, alors ça va être ingagnable. Ça se dit pas, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, on va essayer quand même, on va essayer quand même. On n'a rien à perdre de toute façon. J'espère juste que ça va pas être ni un camion ni un dinosaure à faire parce qu'on connaît maintenant. Enfin, on connaît. Je les avais déjà eu avant, mais on connaît pour cette vidéo en tout cas. Et donne-moi un truc bien des fleurs. Oui, ça j'aime bien. Alors déjà. On va mettre ça. Ensuite. On va prendre du vert. Tac. On va prendre du jaune. Prendre de la clé en général. Hop, regardez. Clé, rose, rouge, orange, des couleurs qui pètent bien, violet et du bleu comme ça. On va en faire, on va essayer de faire un truc sympa. On va essayer de faire une espèce de. De truc. Voilà. Ma précision légendaire. Ensuite, on va en faire une. Qui fait un peu comme ça.
Les tiges, c'est le plus important, moi, dans ma construction, hein. Je tiens à vous le dire directement. Peut-être faire ça, du coup. Ça me bloque. Ok, et du coup celle-là, on va changer un petit truc, on va faire ça. Voilà. Ensuite, on va grandir un peu, ouais, nickel. On va lui mettre une espèce de chose comme ça, une bouboule qu'on va doubler. On va essayer de faire un gros truc. Hop, ça me paraît cool comme ça. Et là du coup on va pouvoir s'amuser avec les pétales. Alors non, du coup, je verrais plus un truc asymétrique comme ça, un peu. Hop. Machin comme ça. Hop. Du coup, ici, on va aussi la lever sur le... là. Hop, voilà. Voilà. Ah non, elle est bizarre là comme ça. Ouais, non, c'est très spécial. On va la faire aller par là et on va la lever comme ça. Ok, il reste celle-ci qu'on va relever d'un coup. Et elle, on va lui donner une allure un peu multicolore, j'ai envie de dire. Regardez ça, hop. Ça là va être assez spécial. Mais je pense que ça peut bien rendre. Ah, je suis pas fan de la dernière, mais bon, c'est pas grave, c'est trop tard. C'est engagé. Et du coup, on va essayer de lui faire un... de choses comme ça. Hop. Et il manque quoi comme couleur? On les a toutes? Non, on n'a pas celle-là. Ah, c'est crado, je me suis raté à la fin. C'est pas grave. Alors, on va voir des trucs jolis ici. Celle-là, je les aime bien, je vais mettre It's OK. Elles sont plutôt cool. Les fleurs, on fait rapidement des trucs jolis hein, quand on a ça à construire. Donc bon, c'est voilà, faut le savoir, mais bon. Et c'est donc Asutko. D'ailleurs, je me demande comment ils font pour l'ordre des gens. It is April. Ouais, bon. C'est... voilà. C'est imagé, quoi. Ouais, c'est vraiment mélangé. Hein. C'est vraiment mélangé. Hey, très sympa. Je vais lui mettre It's OK, parce qu'elle est plutôt cool, sa fleur. Mais on a peut-être fait un truc un peu trop complexe. J'aurais dû en faire une très très jolie plutôt, plutôt que d'en faire plusieurs, enfin deux moyennes. Ouais,
J'aime bien, mais c'est simpliste, les mecs. Prenez des risques un peu. C'est comme dans Top Chef. Ils disent toujours aux participants, tu aurais dû prendre plus de risques, même si c'est pas mauvais. Bah là, c'est pareil. Ouais, bon, de là à le faire péter quand même. Vous êtes un petit peu violent, les gens. Pas exposer des. C'est un champignon, ça, mec. Ah, ouais. Alors, très beau champignon, mais hors sujet, quoi. Hors sujet. Je t'aurais mis maïs en bleeding si ton truc était pas aussi stylé. Mais ouais, c'est un champignon. Il a passé plus de temps sur le champignon que sur le reste, le mec. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Dommage qu'il ait mis de la cobble par terre, mais il y a un pot, donc ça justifie le fait que la fleur soit. Enfin, là, ça justifie la cobble, en fait. Ça valide la cobble, on va dire. Alors ça, tu l'as pompé sur Internet. Donc ça bleeding un peu. C'est dommage, le pixel. Enfin, ça se peut qu'il l'a pas pompé sur Internet, le pixel art, et qu'il le connaît par cœur, mais le pixel. Enfin, tout ce qui est pixel art, ça fait directement penser à j'ai fait une recherche Google et j'ai recopié. Et donc c'est pas ouf. Pas bête. Moi je mets Hitsoké parce que pas bête la bête. Il a mis des fleurs. Puis elles sont vachement bien foutues. Et il y en a beaucoup. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien pour la vanne. J'aime bien l'idée. Scrubbreaker, et en plus il va être devant nous, obligé. Hein. Mais voilà. Alors ça c'est la note, c'est vrai que c'est mélangé bizarre. Mais voilà. Hot. Alors je sais pas dans quel sens il a mis son hot. Ouh putain, ça a pas explosé. C'est déjà le début. D'accord, bon, il aurait au moins pu mettre une flèche pour nous dire dans quel sens ça se regarde. Ah bah là, ça se regarde plus vraiment. Mais qu'est-ce que t'as dessiné, bordel? Qu'est-ce qu'il a dessiné, sans déconner? Je comprends pas. Et Asutko est arrivé premier avec ses petites fleurs. C'était le premier d'ailleurs qui est passé. Eh bien, joué à lui, bravo. Nous, on est cinquième, ça va, c'est pas trop mal. Et eh bien on en a fini avec ce jeu. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardé. On se retrouve très 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 bientôt. C'était quoi ce bruit chelou pour une prochaine vidéo? D'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous, portez-vous bien. Et voilà, je me suis pété dans ma fin de vidéo. Je sais plus ce que je dois dire. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao tout le monde.